Bonjour. Le Bitcoin va-t-il enfin dépasser les 60 000 dollars et se diriger vers les 70 000 dollars? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, comme d'habitude, pensez à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu et à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter, où je fais des analyses beaucoup plus régulières, des updates plusieurs fois par jour et des idées de trade. Vous pouvez également me suivre sur TradingView. Alors, on va commencer par un graphique. Alors, on va voir plusieurs graphiques aujourd'hui. Donc, on va commencer par un graphique assez simple. Alors, comme vous voyez, là, on a notre trendline très long terme qui dure depuis le mois d'octobre et un petit canal parallèle qui a fait plus ou moins, vous voyez, résistance ici, support, support, résistance, résistance, par le haut également. Et une ligne médiane. Et comme vous voyez, la ligne médiane a son importance aussi. Résistance, résistance, support, résistance, support, résistance, support. Et enfin, là, on est en train de se battre avec elle. Donc, résistance. Donc, l'objectif de ce canal, c'est si on arrive à repasser au-dessus de cette trendline, à clôturer au-dessus de cette médiane, théoriquement, on devrait avoir comme objectif le haut du canal. Donc, si on fait un mouvement à peu près du même genre que celui-ci, donc il faudrait s'attendre à retrouver le haut du canal aux alentours des 73 000, 74 000 dollars. Donc ça va être notre premier objectif haussier. Si on arrive à passer cette zone, et vous verrez que cette zone ne va pas être facile à passer parce qu'on a un paquet de résistances. Donc la médiane, c'est seulement la première. Donc du coup, l'objectif, notre premier objectif, c'est les 73 000, 74 000 dollars. À la baisse, au contraire, si on devait baisser, donc on aurait notre trendline long terme blanche qui se situe actuellement aux alentours des 51 000, 52 000 dollars. Et en dessous, bien entendu, le bas du canal qui, lui, est un peu plus bas, vers les 48 000 dollars. Donc on va passer au deuxième graphique. Donc on a toujours notre trendline blanche et on a, rappelez-vous, on a notre trendline moyen terme qui avant était orange, là, je l'ai mis jaune parce que de toute façon on va l'enlever. Et comme vous pouvez voir, depuis qu'on l'a cassé à la baisse, maintenant elle fait également résistance. Alors vous voyez, il y avait la médiane, il y a notre trendline moyen terme qu'on va enlever. Je vais vous montrer pourquoi, parce qu'on n'en a plus besoin. Parce que là, du coup, elle nous sert plus que de résistance, mais on a tellement de résistance là que on n'a pas besoin d'avoir un tracé en plus et ça nous libérera un graphique. Donc on va l'enlever, elle nous est plus d'une grande utilité. Donc on va passer au troisième graphique. Alors là c'est une figure plutôt courte, plus court terme, hein. On parle, vous voyez, des deux semaines qui viennent, qui sont passées. Donc un petit canal baissier, voilà, on a un petit canal baissier comme ça, appareil avec une ligne médiane. Et comme vous pouvez voir, hop, aujourd'hui on est venu taper, on l'a finalement passé et là on est en train de la retester. Potentiellement, on va repasser en dessous. Donc, si on clôture en dessous, il y a peut-être des chances qu'on vienne voir le bas du canal. Et tout dépend combien de temps on met à y aller, mais situera au niveau des 50 000 dollars, 52 000 dollars. Si par contre ça tient et qu'on fait un rebond, bon bah, dans un premier temps, on visera le haut du canal qui sont aux environs des 58 000 dollars. Et si on vient à casser ce canal baissier, qui en quelque sorte c'est un bull flag, hein. Vous voyez, quand on a une montée comme ça et un flag comme ça, c'est un bull flag. Et du coup, bon bah, on reporte la hauteur ici et l'objectif de ce canal, de ce bull flag, et qui sont environ les 65 000, 66 000 dollars, 65 600 dollars. Donc, on avait l'objectif des 73 000, 74 000 dollars. Et juste avant, on a l'objectif des 65, 66 000 dollars. On va donc passer du coup au dernier graphique. Alors, rappelez-vous, hier, on avait un triangle. Vous voyez la ligne violette hier, elle était en bleu, c'était notre triangle. Bon, maintenant qu'il est cassé, donc c'est plus un triangle. Donc, du coup, je la garde, c'est parce que c'est une trendline. Donc, je l'ai changé de couleur. Et comme vous pouvez voir, elle fait également résistance. Pour ça, je vous ai dit, on n'a pas forcément besoin de la trendline d'avant parce que on a déjà celle-là qui fait résistance. Et vous voyez, on a en plus notre petite trendline court terme qui fait également, elle, résistance. Donc, quand je vous dis que là,
et un paquet de résistants, vous allez voir, c'est pas fini. C'est d'ailleurs pour ça que là, actuellement, on est en train de retracer. Parce qu'on a touché la résistance. Et c'est une très grosse résistance. Donc, à la place du coup de l'ancien triangle, j'ai mis un nouveau triangle, vu qu'hier on a fait pratiquement un double bottom parfait par rapport à ce point-là, et qu'on peut voir ici on était venu déjà toucher, et qu'ici on était venu toucher en résistance. Maintenant là ça nous fait trois supports, ancienne résistance, donc ça nous fait en quelque sorte un triangle descendant. Et en général, un triangle descendant c'est plutôt une figure bearish, il a tendance à casser par le bas. Malgré tout, en bull run, le Bitcoin il a tendance à faire l'opposé, c'est-à-dire à casser vers le haut les triangles qui sont censés être bearish, comme par exemple ici, vous voyez, pareil, point là, point là, point là, quatre fois, là on descend, triangle descendant, et pourtant il casse à la hausse. Vous en voyez aussi un petit ici, vous voyez, là une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, sur à peu près la même ligne, là ça descend. Théoriquement, ça doit casser à la baisse et pourtant, ça casse à la hausse. Donc, théoriquement, c'est une figure bearish, mais en bull run, le Bitcoin a tendance à casser à la hausse. Donc, je dirais 50-50. Désolé, mais à peu près 50% qui casse à la hausse et 50% qui casse à la baisse. Ensuite, juste en dessous, vous avez un petit support horizontal. Vous voyez ici, résistance, support, 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 résistance, résistance, résistance. Résistance. Donc on a un petit support au niveau des 50 750 dollars. Donc bien entendu là si on est rejeté, il faudrait voir si on va retoucher le bas du triangle. Mais comme vous savez, plus une zone est testée, plus elle a de chances d'être cassée. Donc on a déjà testé une fois, deux fois, trois fois. En général, la quatrième ou la cinquième fois, ça casse. Donc on pourrait très bien aller retoucher et rebondir, mais il y a quand même plus de chances maintenant que si on va toucher, ça casse. Voilà, et si on rebondit, on revient encore une cinquième fois, là il y aura encore plus de chances que ça casse. Donc bah, si ça casse, le premier niveau à surveiller, ce sera cette petite résistance horizontale. Vous verrez, il y a autre chose aussi après à ce niveau-là, mais ce sera à surveiller. Après, effectivement, on peut se faire peut-être un objectif baissier. L'objectif de la figure, ce sera environ les 44 000 dollars. Voilà, si on casse à la baisse. Mais avant tout, il faudra surveiller ce premier niveau de support. Donc ensuite, on va s'enlever le dessin. Non, on va se le laisser d'ailleurs. On va passer aux indicateurs. Alors hop, tout dans la page. Alors, on va commencer par les moyennes mobiles. Donc, on va se mettre en daily. Hein. Comme vous pouvez voir, on arrive encore et toujours à se maintenir au-dessus de notre moyenne mobile EMA 21. Et comme on a dit, si on commence à voir des bougies en dessous, il y a de fortes chances d'aller retoucher, comme on a fait ici, la moyenne mobile 50. Donc, ça tombe bien. Elle est où, notre moyenne mobile 50? Elle est pour l'instant, et je pense encore demain, voire après-demain, elle sera au niveau de notre résistance horizontale, la ligne verte là, au niveau des 50 800 dollars. Donc, premier niveau à surveiller si on casse par le bas, ce sera les 50 51 000 dollars. Ensuite, au niveau d'Ishimoku, bon, bah encore une fois, vous voyez qu'on a la Tenkan en bleu, qu'on a cassé, maintenant elle fait résistance. Encore une fois, elle fait résistance où? Bah dans ce niveau-là, on ne l'a pas dit, hein, mais c'est à peu près les 56 800. Donc, vous voyez, on a les deux trend lines, la médiane du canal précédent, la Tenkan Ishimoku, ça commence à faire beaucoup. Pour ça, grosse résistance ici. Et en support, on a la Kijun, la ligne orange, qui, bah, qui s'aligne parfaitement, hein, vu qu'elle est toute droite, avec le bas de nos triangles. Donc, elle vient renforcer, en fait, ce support. C'est une bonne chose, si vous voulez qu'on tienne ce support. Kinjun vient renforcer. Et ensuite, un niveau juste Ishimoku, si on casse, théoriquement, si on clôture en dessous de la Kijun, le niveau à rechercher, c'est le haut du nuage, donc autour également des 48 000 dollars. Alors, on va passer maintenant au MACD.
et stocké RSI. Rappelez-vous ce qu'on avait dit hier. Alors, avant-hier, on avait dit que c'était bearish, hein, et du coup, bah, ça s'est bien joué. On a une autre mouvement baissier. Hier, je vous ai dit que c'était plutôt neutre. Ça commençait à être bullish, mais c'était pas encore bullish, c'était plutôt neutre. Eh bien, on est toujours plutôt neutre. Parce que on n'a pas encore, vous voyez, pour que ça devienne bullish, on veut voir des bougies roses pâles. Pour l'instant, on est encore dans l'oscillateur. On a encore des bougies rouges. On n'a pas encore croisé à la hausse. On est en zone de survente. Ça veut dire qu'il faut plus attendre après un mouvement haussier, parce qu'on a moins de marge vers le bas que vers le haut. Mais pour l'instant, c'est toujours neutre, du coup. C'est pas encore bullish. C'est moins bearish que les jours d'avant, mais c'est pas encore vraiment bullish, donc c'est neutre. Donc du coup, on va aller voir ce qui se passe sur le plus petit time frame en H4. Donc rappelez-vous, hier en H4, on était par ici, et je vous ai dit c'est bullish, parce qu'on a fait un W, on va sûrement aller rejoindre le haut, on va croiser là, et c'est plutôt bullish. Et je vous avais dit aussi, avant ça, vu qu'on arrive, on a fait une vague, on aurait sûrement un retracement. Et d'ailleurs, je vous avais donné un niveau d'achat, on le verra après sur le plus petit time frame. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, sans surprise, mouvement haussier. Maintenant, on arrive dans une zone, on est toujours bullish, mais un peu moins qu'hier, parce qu'on arrive en zone de surachat. Et que là, comme vous pouvez voir, c'est possible que si on continue à baisser, hop, ça se renverse et du coup en 4 heures, on aille la baisse se poursuivre. Alors c'est pas obligatoire, on essaiera de jeter un œil au petit time frame pour voir ce qui va se passer. Mais donc, vaut mieux être prudent. De toute façon, comme je vous avais dit hier, soit vous avez fait des achats dans cette zone, comme je vous l'ai conseillé hier, et là, soit vous avez toujours du coup votre stop ici ou à votre point d'entrée pour rien perdre si vous êtes plus défensif. Ou soit, comme je vous avais dit, les plus prudents, ils attendraient qu'on clôture au-dessus de cette zone. Donc pour l'instant, on a fait une petite mèche, comme vous voyez aujourd'hui, mais on n'a pas eu de clôture au-dessus. Donc, encore légèrement bullish, mais un peu moins qu'hier. Plutôt neutre et plutôt attention, la clôture de ce soir, ça pourrait être bearish, et donc on pourrait rechuter. Niveau des moyennes mobiles. Bon, bah, encore une fois, hein, une double résistance au niveau de notre gros notre grosse résistance ici, donc la moyenne mobile 100 en jaune et la moyenne mobile 50 en orange. Et là en plus on vient de recasser la moyenne mobile en direct le MA21, donc c'est plutôt mauvais signe. Donc maintenant on a les trois moyennes mobiles au-dessus de nos têtes et notamment les deux là qui sont à notre gros niveau de résistance à peu près aux 56 800, 57 000. Et pour soutenir, hein, bah, on a la moyenne mobile de 100, comme vous savez, on a fait des achats donc, pile ici. Et donc bah, maintenant, elle se trouve aussi également, comme la Kijun à peu près en Ishimoku, au niveau du bas du triangle. Donc ça va renforcer également le bas du triangle. Donc, comme vous voyez, là, on a un gros niveau de résistance, environ 57 000, et un gros niveau de support aux 52 000. On pourrait limite se mettre un canal, et le premier qui va casser, ce sera la résolution, soit baissière, soit haussière. Donc, franchement, même si on casse ici, le haut du triangle, je pense pas qu'il tiendra. Le haut du triangle, c'est une résistance beaucoup plus faible que tout ce qu'il y a ici. Donc, si on arrive à casser là, le haut du triangle, je pense qu'il va casser aussi. Hein. Bon, je pense qu'on aura la résolution du mouvement. On va peut-être essayer de prendre le graphique que j'ai fait un peu plus propre tout à l'heure. Il est où? Il était là. Non, c'était celui-là. Non. Mince alors. C'était peut-être celui-là. On va peut-être se mettre un petit canal du coup. Donc la résistance, le support je veux dire, et la résistance qui se trouve à peu près là. Voilà. Donc ce canal là, vous voyez là, ici on l'a travaillé, là on l'a travaillé, là on l'a travaillé, là aussi on l'a travaillé, vous voyez. Donc la sortie maintenant de ici ou ici, ça nous indiquera la poursuite du mouvement. Donc le mieux quand c'est comme ça, c'est d'éviter de trader là-dedans. Ou alors, bien entendu, pour des petits trades, hein,
shorter le haut du canal, acheter le bas du canal, shorter le haut du canal, acheter le bas. Mais tant qu'on est là-dedans, c'est plutôt, vous voyez, comme ici, c'est du doute. On ne sait pas ce qui va s'en suivre. Il faut vraiment attendre maintenant qu'on casse le haut ou le bas, et bien sûr, évidemment, attendre des clôtures ou des confirmations sur les indicateurs. Donc, voilà, hop, on va s'enlever ça. On va continuer Ishimoku H4. Donc, bah voilà, hein, vous voyez, il y a aussi la Kijun Ishimoku en H4 qui est à peu près aussi notre niveau de résistance. Donc, une résistance de plus. Donc, quand je vous dis que c'est un gros niveau de résistance ici, ça ne va pas être facile de le passer. Et là, on a la, bon, en direct la Tenkan qui fait support. Je ne suis pas sûr qu'elle va tenir. Hein. Donc, voilà, bah, si on la casse, hein, bah, bien entendu, c'est bearish. Parce que du coup, on sera en dessous le nuage, en dessous la Kijun et en dessous la Tenkan. Ça veut dire qu'en H4, il n'y a plus rien. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, bah, pour trade, hein, voilà, hein, tout simplement. Hein, soit vous attendez les niveaux de support. Donc, on va repasser sur l'autre graphique. Soit il y a toujours des trades qui sont tentables si on revient ici. Mais comme je vous ai dit, plus on teste une zone, plus il y a de chances de casser. Donc, être prudent quand même. Hein. Bah, mettre un petit stop un peu en dessous. Soit le plus prudent, c'est d'attendre au moins qu'on casse cette petite zone là. Voilà. Et il est encore plus prudent, vous attendez carrément qu'on casse le haut du triangle. Mais comme je vous ai dit, je pense que si on casse ça, le haut du triangle, ça tiendra pas. Donc du coup, ah oui, bon allez, hop, un petit super train pour finir. Voilà, super train en H4. Bon, bah vous voyez, si vous voulez prendre un trade avec le super trend, il faut attendre qu'on repasse au-dessus de la ligne rouge. Vous voyez, comme ici. Et voire même un petit pullback, c'est encore mieux sur la ligne verte. Ou comme ici. Donc, bah ça tombe bien, hein, la ligne rouge, elle est maintenant à peu près au niveau du haut du triangle. Donc voilà, ceux qui jouent avec le super trend, c'est en même temps le haut du triangle, donc c'est double confirmation. En plus, on sera au-dessus de ça, donc ce sera un très bon trade à prendre. Allez, on va jeter vite fait un œil au plan Elliott. Donc, comme on a vu hier, on a ce plan-là. On est potentiellement dans une ABC. Et comme on a vu, on a atteint la première cible de la C. Alors, attendez, pour ceux qui ne suivent pas, on est dans un plan comme ça. Donc, on a une grande 1, on aura une grande 2. Et dans la grande 1, on a 1, 2, 3, 4, 5. C'est d'une leading diagonale. Donc, leading diagonale comparée au impulsif classique. Elle se décompte pas en 5, 3, 5, 3, 5. Elle se décompte en 3, 3, 3, 3, 3. Que des 3. Donc ABC, ABC. Là, on est dans la dernière ABC. Dans la ABC, on a une ABC rouge. Et là, on recherche la correction de cette ABC rouge pour ensuite avoir une dernière petite vague haussière qui nous emmènera, alors là, entre les 76 000 et au plus haut, 120 000 dollars. Donc, l'objectif principal de la vague rouge, c'est celui-là. C'est le trait rouge qu'il y a là. C'est les 83 000 dollars, on va dire. Et pour la vague bleue, parce qu'on peut faire les objectifs par rapport à la vague rouge ou à la vague bleue, l'objectif principal, c'est les 90 000 dollars. Et l'objectif maximum raisonnable, c'est les 120 000 dollars. Voilà. Et l'objectif maximum raisonnable pour la vague rouge, c'est le haut du carré ici, c'est les 102 000 dollars. Donc voilà. Ça, c'est l'objectif. Donc, pour le retracement de la vague B, on a dit qu'il y a deux objectifs, les 0,5 et les 0,61. Donc là, on a déjà été chercher les 0,5, comme vous pouvez voir. Hop, on va zoomer un peu. Donc, si on rechute, bah, c'est possible que en fait, la B termine plus bas, hop, et qu'on ait cherché les 0,5, donc qui sont exactement aux 50 700 dollars. Vous voyez, c'est à peu près l'objectif qu'on a depuis tout à l'heure, les 50 800, comme je vous avais dit. Donc ça concorde bien aussi avec notre résistance horizontale verte. Et je crois que c'était la... On avait la Kijun, je ne sais plus ce qu'on avait là-bas, mais on avait quelque chose. Donc voilà. Et le deuxième plan, bah, pareil, hein, sauf qu'on n'est pas dans une leading diagonale, on est dans une impulsive classique, donc en 5 mouvements. Et là, on recherche potentiellement une 4 en flat. Une flat, c'est une correction trompeuse qui peut aller rechercher plus haut que le début de la correction.
Donc, alors, je vais enlever ça pour pas gêner. Hop là. Voilà. Donc, on a fait une A, une B, et là, on recherche la C. Et l'objectif principal de la C, c'est les 0,618. Le premier objectif, donc c'est celui qu'on va regarder en premier. On peut aller plus bas, mais c'est le premier objectif et le plus courant en bull run. Donc, qui se, voilà, vous voyez, la ligne jaune, là, 0,618. Et qui se situe aux environs des 50 200 dollars. Vous voyez, encore une fois, ça correspond. Vraiment, on a beaucoup de choses ici. Hein. Alors, je vous rappelle, c'est ce niveau-là. Voilà, c'est ce niveau-là qu'on avait mis ici, la ligne verte, autour des 50 000, 51 000 dollars. Donc, ce sera le premier objectif à la baisse, hein, comme je vous ai dit, si on casse cette figure. Et ensuite, ben, si jamais on la casse, on verra les objectifs plus bas. Mais notamment, on avait vu qu'aux alentours des 48 000, on avait quelque chose. Et ensuite, on verra plus tard, mais aux 45 000, on a aussi une grosse résistance. Donc, ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Allez, non, je vais passer vite fait sur le Litecoin, parce que j'ai parlé du Litecoin hier dans Twitter. Donc, on va aller faire un tour, pour ceux que ça intéresse. Litecoin, hein, vous voyez, on est dans un gros triangle. Donc, un triangle symétrique, ça veut dire on descend et de l'autre côté, on monte. Donc, théoriquement, c'est 50-50. Mais vu qu'on vient dans le mouvement haussier, théoriquement, il y a plus de chances de casser à la hausse. Donc, les objectifs du triangle à la hausse, si on le casse à la hausse, c'est environ les 320 dollars. Et que vous pouvez voir aussi qu'on a une résistance horizontale. Vous voyez, ici, résistance, support, résistance, résistance, support, 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 support. Et pour finir, bah aujourd'hui, on a été pile la toucher. Donc, résistance. Donc, les plus agressifs peuvent tenter un trade si on repasse au-dessus de cette résistance. Donc, au-dessus des 197 000 dollars qu'on clôture au-dessus, bien évidemment. Les plus prudents attendront qu'on casse le triangle. Et les encore plus agressifs, vous voyez, il y a une petite trendline baissière très court terme, là. Eux, ils attendront une clôture au-dessus. Alors, vous voyez, aujourd'hui, on a était au-dessus de cette trendline, mais on n'a pas clôturé au-dessus. Vous voyez, c'est un fake out. Donc, il faudra attendre, on est en daily, hein, donc il faudra attendre la clôture de ce soir. Donc, si ce soir à minuit ou à 1h du matin, on remonte et on clôture au-dessus, les plus agressifs peuvent prendre un trade. Les agressifs, mais un peu moins agressifs, ils attendent qu'on casse ce niveau-là, et les plus défensifs, ils attendent qu'on casse ce niveau-là. Et bah, je vais quand même vous mettre la target baissière au cas où, hein, mais si vraiment on devait casser et avoir une grosse chute, voilà, il faudrait s'attendre à peu près aux 93 dollars. Bah, vous voyez, c'est le niveau pile poil. Alors, je vais vous mettre la ligne. Hop, c'est ce niveau-là de l'ancienne résistance qui ferait du coup support. Donc vers les 92-93 dollars. Et comme je vous ai dit, théoriquement, il y a plus de chances que ça casse à la hausse, théoriquement. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera demain pour une nouvelle analyse. En attendant, si vous voulez des updates sur les plus courts termes, savoir ce qui va se passer dans les heures à venir, c'est sur Twitter qu'il faut me rejoindre. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Prenez soin de vous, soyez prudents et à demain. Tchuss !